Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on finit avec les Capricornes pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, sentimental, et on finira avec le bol tibétain. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Mail, numéro de téléphone et site internet. Ok? Donc on y va. Message important pour mes Capricornes. Je me connecte à la source divine pour me livrer les messages importants pour mes Capricornes. Que va-t-il se passer d'important pour les Capricornes? Alors, il peut être ici question d'enfant pour mes Capricornes, hein, tout ce qui est en lien avec la grossesse, fécondité, nouveaux projets. Ici, on parle d'enfant. C'est quelque chose d'important pour vous. Il y a quelque chose qui bloque, qui stagne par rapport à ça. On peut me montrer ici des mensonges, des surprises, hein, ou des choses cachées, non dites, par rapport à des enfants. Donc, on y va. Là, on me parle ici de nouveaux projets, de tout ce qui est en lien avec les enfants, nouveautés, naissance de quelque chose de nouveau. Il y a ici une stagnation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées, non dites, pas mises en lumière, encore une fois. On va essayer de s'éloigner des doutes et des questionnements, des mauvaises personnes, des personnes assez caractérielles, etc. En lien avec le passé. Il y a ici comme une personne qui souhaite revenir, ça peut être vous, ou une autre, enfin, en lien peut-être avec le boulot, le travail. Enfin, il y a une notion ici de retour, de quelqu'un qui essaie de revenir, mais c'est non, niet. D'accord? Je ne sais pas si c'est vous ou une autre personne en face de vous. En tout cas, on montre ici un éloignement, une distance entre vous et une personne. On parle de tristesse, de mal-être ici. On n'est pas bien. Il y a des choses qui sont cachées, non dites. Vraiment, on ressent un mal-être. Mes Capricornes ici. Il y a ici des choses qui sont mises à l'ombre, besoin d'être à la lumière. Il y a vraiment ici des choses cachées. On ne vous dit pas tout. On me parle ici d'âme sœur, de personnes proches en lien avec la famille. On va essayer en tout cas de trouver des solutions, la clé, une solution pour essayer de sortir de ce rond-point. Vous ressentez ici, mes Capricornes, un grand manque tout de même. Il y a vraiment ici cette notion où on ressent un manque, soit affectif, un manque en lien avec des enfants, en lien avec peut-être une personne avec qui, voilà, il y avait un engagement. Ici, on parle d'éloignement, de distance. Ça peut être en lien avec le travail aussi, mais on parle d'un manque. Vous voulez trouver une solution par rapport à ça. Il vous manque des billes. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous durant les 3 mois. On parle de blocage, de surmenage. Mes Capricornes, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes pas mal dans le mental. Et du coup, ça ralentit vos projets. Quelque chose de rapide ici montre un déplacement, un voyage. Du coup, ça vous aidera à retrouver un peu plus la forme, je dirais. Vous serez éloigné un petit peu de ce stress, de cette angoisse que vous avez pu ressentir pendant un moment. Et vous allez retrouver de l'abondance. Parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider, vous soutenir. Mais le problème, c'est que, mes Capricornes, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Vous êtes dans la méfiance par rapport à tout ce qui est en lien avec des enfants, tout ce qui est en lien avec un projet. Quelque chose où vous êtes éloigné, où vous avez de la distance. On parle ici d'âme sœur, mais à l'envers. Donc, on est éloigné ici de quelqu'un. Alors, ça pouvait être justement pas un âme sœur, mais plutôt un lien karmique, des choses à apprendre par rapport à une personne. Des détails par rapport à ce tirage. On parle en tout cas de dépendance, hein. Donc, faites attention. Vous allez en tout cas vous libérer de ça. Là, on me parle ici de réussite par rapport à tout ce qui est en lien avec la nouveauté, les nouveaux projets, réussite par rapport à des enfants. D'accord?
On me montre ici que ça stagne parce qu'il y a un lieu qui ne vous convient pas. On parle ici de campagne, de maison, de foyer. Il y a des choses cachées et non dites. Un ami qui n'est pas réellement un ami, qui vous cache des choses, vous qui cachez quelque chose à une personne qui est comme mamie mais qui ne l'est pas. Est-ce que ça vous parle? On montre ici, vous êtes dans la méfiance par rapport à un couple. Vous avez une méfiance par rapport, vous avez une peur hein, par rapport à nos relations ici. On me montre que vous serez désoutenu par rapport à tout ce qui est professionnel. Vous avez des peurs par rapport à tout ce qui peut vous passionner, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Vous avez pas mal de doutes et de questionnements. On me montre ici qu'il y a le retour d'une personne du passé, en lien avec le travail, qui revient, mais vous avez stoppé. Vous avez bloqué d'une certaine manière. Ici, on me montre que vous aurez une réussite par rapport à tout ce qui est éloignement, distance, séparation. Vous êtes triste. Cette tristesse amène une stérilité. Mais bien évidemment, vous allez réussir à sortir de ça parce que j'ai la stérilité à l'envers. Ici, il y a des choses cachées, non dites. Là, on peut me parler de triangulaire. On peut me montrer ici de l'amour envers une personne, dans le couple, mais c'est caché. Vous ne dites pas réellement les choses. Vous gardez les choses en vous. On me parle de paix et de sérénité hein, par rapport à tout ce qui est la famille, tout ce qui est en lien avec l'âme sœur, lien karmique, parce que je parlais aussi de lien karmique. Il y a une paix, une sérénité qui arrive à ça, par rapport à ça. On trouve des solutions par rapport à tout ce qui a été en lien avec les blocages et les mauvaises personnes. Et on est un peu perdu, mais on retrouve la joie ici. D'accord? Il y a un manque, mais on arrive petit à petit à s'éloigner d'un manque qui vous a pesé. Ok? On va aller voir maintenant côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous. Là, ici, en dos de deck, j'ai le départ. Il y a ici un éloignement, une distance, un déménagement, un départ, fin d'une situation pour du renouveau par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement. Quelqu'un que vous considériez comme la famille mais qui ne l'est pas. On parle vraiment ici de fin d'une situation. Ouais. Il y a un changement ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement, mes Capricornes? Au mois d'avril 2022. Avril 2022, qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes? Ascendant similaire, signe solaire. Alors, professionnellement, on me dit que vous allez avoir des coups de fil qui vont vous laisser réfléchir, penser, waouh, réflexion, prise de recul. Il y a une notion où, grâce ou à cause d'un coup de fil, vous allez beaucoup réfléchir. On montre ici de la tristesse au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici. En fait, c'est comme si vous aviez appris quelque chose et ça vous fait réfléchir et ça vous rend triste. On montre ici en lien avec quelqu'un de proche. Ça peut être frère, sœur ou quelqu'un que vous considériez de proche en tout cas. On montre ici un choix qui va être fait, qui va un peu vous stresser, vous angoisser, qui peut vous amener des peurs. Enfin là, au niveau professionnel, j'ai vraiment une sensation que vous n'êtes pas bien, mais bon, vous êtes protégé, ouvrez votre cœur, on vous montre. Vous passerez par des situations dans le si par rapport à tout ce qui est secret. D'accord? Secret, mensonge. Là, il y a des choses qui sont découvertes. Hein. Là, on peut me parler ici d'une nouvelle opportunité aussi qui est encore cachée. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, mes petits anges, ce qui permettra de vous éloigner des doutes et des questionnements et d'accueillir une nouvelle opportunité. Mais osez prendre la chance qui arrive à vous. Pour l'instant, vous ne l'accueillez pas, la chance. Hein. Vous voyez, je vous aurais dit oui, vous l'accueillez là. Mais à l'envers, on me dit non. Vous ne l'accueillez pas. Vous ne la voyez pas parce que vous fermez les yeux, vous pensez trop, vous réfléchissez trop.
Ici, il y a quelque chose qui montre que vous allez vous éloigner, prendre de la distance de tout ce qui est en lien avec l'argent, le financier, des crédits, des rendez-vous comptes à prévoir pour vous éloigner d'une stagnation et aller vers certains projets. On montre ici quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. Par rapport à un homme, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, vous allez ici, alors là, ça peut parler de divorce ou de séparation en lien avec le côté professionnel. Vous voyez, notaire, avocat, loi, justice, des choses à régler par rapport à ça. Un homme qui se sépare d'un engagement en lien avec le professionnel. Vous allez utiliser en tout cas l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur si vous êtes une femme sans lien avec un homme ici. On parle ici de communication qui vous met pas bien. J'ai l'impression que vous apprenez des choses professionnellement. Alors ça peut être en lien avec le côté sentimental. Quelqu'un vous apprend des choses et du coup vous n'êtes pas bien. Bah justement, on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, avril 2022. Avril 2022, on montre ici des nuages. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au top hein, pour vous, mes Capricornes. Et justement, vous mettrez fin à ce qui ne va pas. Là, il peut y avoir aussi des décès pour certaines personnes. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, un décès ou quelque chose comme ça, et vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que peut-être, voilà, le coup de fil. Vous rendez triste, je dirais. C'est peut-être pour ça que du coup, besoin d'un éloignement, une distance au niveau professionnel, vous voyez. Bon, il y a une notion ici où c'est pas top top. On parle ici en tout cas d'abondance. Il y a des rentrées d'argent pour certaines personnes. On montre ici une chance par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau au niveau sentimental. On peut me parler ici de mauvaises personnes qui piaillent, qui parlent, qui derrière votre dos. Vous ferez un choix par rapport à quelqu'un qui a des enfants. On me montre ici que vous cherchez une solution au niveau sentimental pour couper, trancher et bouger. D'accord? Avancer en lien avec un homme. Vous allez couper, je pense, quelque chose en lien avec un homme. Vous allez bouger, passer à l'action. On parle ici vraiment de coupure. De quelque chose qui est tranché, de couper en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. On parle ici de cœur. En fait, vous avez, je pense, des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une situation en lien avec le cœur. Ouais. Des nouvelles par rapport à tout ce qui est en lien avec le cœur. Alors que ce soit. Quand je dis le cœur, donc le cœur émotionnellement, hein, mais le cœur physiquement aussi. On me dit ici que vous ferez un choix et vous trancherez quelque chose. On va sortir d'autres cartes. D'accord, mes Capricornes? Bon, parce que là, c'était pas top top. Sentimentalement. Je me connecte à la source divine. Qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes au mois d'avril 2022? Alors déjà, vous allez régler, réparer quelque chose en lien avec tout ce qui est la santé. Il y aura des rendez-vous, des entretiens importants. On parle de chance qui arrive à vous. Accueillez les opportunités qu'on vous amène. Une nouvelle porte ici qui s'offre à vous. On parle de victoire, d'accord? Par rapport à un projet que vous avez, alors, grâce à un rendez-vous, des entretiens, des rendez-vous avec plusieurs personnes, du coup, ça amène une victoire. Vous mettrez peut-être un peu de temps à prendre des décisions, mais on parle de joie. Alors, faites attention, il y a une triangulaire ici qui ressort.
prendre une décision par rapport à une triangulaire. Prendre une décision par rapport à trois personnes et vous êtes dedans, quelqu'un avec un enfant. Quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Donc peut-être que vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un. On parle ici de retour d'une personne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Mais j'ai vraiment cette notion où il y a quelqu'un qui revient du passé. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être vous. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui revient. Ok, on y va. On va maintenant faire le bol tibétain. Non, on va faire autre chose. Un conseil pour vous, mon Capricorne. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, si vous pensez à des enfants, peut-être des enfants que vous ne voyez plus ou des enfants que vous avez perdus ou peu importe. Tout ce qui est avortement, tout ce qui est fausse couche. Là, ici, on vous dit que les enfants sont protégés. Donc, ayez confiance. D'accord? On me dit que les études, l'école et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. D'accord? Voilà, ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Et ensuite, posez une question, on va y répondre. Répondez à la question des Capricornes. Je regarde cette vidéo. On me dit ici que dans un an, la situation va s'améliorer pour vous. Il y aura de grands changements positifs par rapport à la question que vous avez posée. On parle d'amour romantique. Vous aurez des messages, des signes. Soit une rencontre, soit le rapprochement avec une personne ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà actuellement. Ok, on va maintenant faire le bol tibétain, donc fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil. Que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé, renvoyé à la lumière et transmuté en positif. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Permettez à tous les Capricornes d'aller vers le bon chemin et de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Mettez tous les Capricornes ascendant signe lunaire, signe solaire dans des fréquences d'abondance positive, de joie, de bonheur, de réussite, de bien-être, de succès en positif dans tout ce qu'ils entreprendront dans chaque domaine de la vie. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Bon bah désolé mes petits Capricornes, je suis malade effectivement. Vendredi j'ai fait une petite vidéo sous la neige, ah j'ai kiffé, mais alors direct je suis tombée malade. Bon bah voilà, en tout cas je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.